Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va jouer à un jeu super intéressant, Trouve-moi. Donc c'est un sort de cache-cache, mais un peu revisité. Voilà, il y aura 3 rounds. Il y aura, ben, on va, par exemple, il y a le premier round, il y a un chercheur, une personne qui va se cacher 30 minutes et l'autre va se cacher pendant 30 secondes. Mais quoi, t'as pris des livres, on va lire? Non, pas du tout, on va pas lire. Là, c'est, j'ai mis un livre, il y a un papier dedans où c'est écrit chercheur, l'autre c'est écrit 30 minutes pour se cacher et l'autre 30 secondes. On va choisir. Ah, mais là, tu choisis quoi? Celui-ci. Ok, et toi, Daniel? Celui-ci. Ok, moi, il me reste ça. Okay. Ouvrez, c'est qui? Ah, mais là, ouvre. Ah, c'est dedans. Non, on ouvre tous ensemble. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Moi, j'ai pas trouvé. Mais je l'ai perdu. Ah, voilà, c'est bon. 30 secondes. Oh. Chercheur. Ah. 30 minutes. Du coup, je me cache pendant 30 minutes. Ouais, c'est bien 30 minutes en vrai, comme ça tu essaies de trouver ta cachette et tout. Cachette. Mais toi, Daniel, ça va être très dur, hein. 30 secondes. Bon, bah moi je pourrais explorer la maison, je pourrais trouver de nouveaux cachettes. Donc Amélia, je mets 30 minutes. 3 2 1, go! En vrai, j'ai pas besoin de courir, moi, j'ai 30 minutes. J'ai de la chance, je suis tombée sur 30 minutes, donc là, je peux chercher des cachettes. Alors, on va commencer par les chambres. En vrai, je pense pas que dans ces chambres, il y a des cachettes. Non, il y a pas, mais après, derrière le rideau, c'est un peu cramé, c'est carrément transparent. Et mais si je me cache dans une armoire, c'est un peu banal, tout le monde fait ça. C'est sûr qu'elle va me trouver et pour 30 minutes, franchement, je pense pas que je vais me cacher dans un armoire. Il faut que je trouve une cachette incroyable, extraordinaire pour pas qu'elle me trouve. Dans la salle de bain, il y a vraiment pas de cachette. Comment on a vu ? Ah, voilà. Ah, vraiment pas de cachette. En 30 minutes, elle peut trouver une cachette où je peux pas la trouver. Alors, dans ma chambre. Oh, je peux pas me cacher aussi dans mon dressing, sinon c'est vraiment cramé. Tout le monde commence par chercher dans les armoires, dans le dressing, ou même sous le lit, mais là je peux même pas me cacher sous le lit. Je pense pas que je vais rentrer ici. Hein. Il y a les deux toujours aussi transparents. En vrai, là je peux regarder. Soit je me cache ici, soit je me cache là-bas. Je garde cette cachette en tête. Je vais d'abord chercher s'il y a une autre cachette originale. Et après, ben, s'il n'y en a pas, je vais revenir ici, je vais me cacher ici. Alors là, je vais chercher qu'est-ce qu'il y a dans la chambre de Daniel. C'est comme dans la chambre de Lina, il y a un armoire, je ne vais pas me cacher dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de bain? Ben, là aussi, il n'y a pas de cachette, c'est dommage. Je pense que ça va être vraiment compliqué de trouver des cachettes, là, vu que j'en trouve pas. J'ai de la chance, j'ai beaucoup de temps. Par contre, je ne sais pas comment Daniel l'a fait. Je pense qu'il s'est carrément caché dans un armoire. Et bien sûr, elle n'a pas fait son lit. Est-ce que ça m'étonne? Je pense pas. En vrai, je peux me cacher derrière le coussin. Mais je suis trop grande. Parce que mes pieds vont sortir par là et cette cachette, je vais la laisser pour Daniel. Alors, derrière le rideau, je peux toujours pas. Oh, wow, la vue! On va regarder la vue, j'ai du temps. Il fait chaud aujourd'hui. On va y aller à la plage. Est-ce que ici, je peux? Je peux pas, je suis pas si petite que ça. Je peux si j'aurais au moins 8 ans ou 7 ans comme Daniel. Mais là, j'ai 13 ans, je peux pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? J'ai carrément du temps, je peux même rester allongée sur le canapé, regarder la télé, même manger une glace quand j'y suis. Ouh, je peux me cacher ici. Mais c'est encore une cachette banale comme les armoires. Donc je pense pas. Je pense que ça serait bien pour Daniel. Alors est-ce qu'il y a de la glace? J'ai un peu trop chaud. J'aimerais manger un truc frais. Il y en a. Mais je pense que vu qu'en bas il y a beaucoup de cachettes, elle va direct partir en bas. Donc je pense que je vais essayer de trouver une cachette ici. Après je sais pas. J'ai 30 minutes devant moi. En vrai, là, je suis en train d'y penser, là, je suis en train de faire ma ligne, mais ça se trouve... Imagine, elle me trouve en premier. Genre, elle me trouve d'abord et après, elle trouve Daniel. La honte. La honte pour moi. Alors, il y a quoi d'autre? À manger ou à boire? Faut l'enlever.
tu feras un jet après. Ou pas. Non, je rigole. Alors, on va manger ça. Alors ça, c'est trop bon. J'adore. Mais il n'y a pas en France. Alors, c'est un plat traditionnel en Croatie. C'est vraiment bon. C'est enroulé comme ça. Regardez. Moi, j'aime trop. Là, cette fois-ci, il y a du fromage et des épinards. Ce plat s'appelle pita. J'en mets partout. Alors, il me reste 20 minutes pour me cacher, donc je vais arriver de faire la maline, je bois et je vais chercher une cachette. Il y a 10 minutes, elle est partie se cacher. Ça m'intéresse, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Peut-être elle est en train de rien faire, elle boit, je sais pas. 30 minutes, en vrai, c'est très long. Mais au moins, tu peux faire une bonne cachette. En plus, surtout qu'on connaît pas la maison par cœur non plus. Il y a peut-être des pièces cachées ou je sais pas. Alors là, il y a le table de piqueur. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, je pense pas que j'aurai de la place. Ma tête, elle va se cogner contre là. Après ça, c'est le frigo, ouais. Oh, j'en reste pas. Je suis sûre que j'en ai pas. Et là, non plus. Accrocher ces trois sièges et m'allonger dessus. Mais tout le monde fait ça, du coup, je pense que Lina, elle va me trouver directement. Qui est sur la table de billard? Rocky. Help me. Rocky, trouve-moi une bonne cachette, s'il te plaît. Tu te caches tout le temps de nous en plus. Attends. Ah. Je peux m'enrouler comme ça. Oh merde, ça se voit. Ah ben échec. Ça se voit? Oui. Purée. Ou soit, je me mets dans là. Je sais plus si j'ai vu ça sur Netflix ou YouTube, mais j'ai vu que quand quelqu'un se cachait quelque part, par exemple, il prenait du scotch et il se collait contre un mur ou contre une porte. Donc je pense que je vais essayer ça. Ça serait drôle en plus et j'ai du temps devant moi. J'ai décidé de me scotcher contre la table. J'ai demandé de l'aide à mon père, donc on va commencer par scotcher mon ventre, puis après les jambes et après on verra. Oui, mais en fait j'ai peur, hein. Imagine je tombe. Eh bien, juste à remonter un peu comme ça. Et on se passe mon ventre. J'avais dit que c'était cramé en dessous de la table, mais là comme ça, c'est pas cramé en vrai. En vrai. Genre, elle sera à côté. Je vais me mettre droite comme ça. Je vais me coller contre la table. Oh, Daniel est parti se cacher. Daniel, t'as vraiment pas de chance. 30 secondes, t'as. Tu vas partir dans 3, 2, 1, go! Vite! Je vais tirer trop bas parce qu'il y a plus de place pour se casser. Bon, je vais pas. Non, je vais me casser quelque part d'autre parce que c'est pas facile. 5, 4, 3, 2, 1. Je vais aller chercher les deux. Du coup, c'est bon, je commence. Alors, dans le fond, je pense qu'elle ne peut pas se cacher, c'est inutile. Il y a juste une armoire, il n'y a rien d'autre pour se cacher. Elle avait quand même 30 minutes. Donc, je pense qu'elle a inventé, elle a construit un truc, elle a inventé quelque chose. Ah peut-être je vais regarder dans l'armoire parce que Daniel avait que 30 secondes donc il aurait pu rentrer comme ça et aller directement dans l'armoire. Non. Non. Moi j'ai pas 2 minutes pour chercher au moins. Pas de chrono. Non. Là il y a une baignoire, il aurait pu se cacher là mais il est pas. Pas dans cette chambre. On va regarder dans la chambre de Daniel, mais c'est la même chose, il n'y a rien.
L'armoire, non. Non plus. La salle de bain. Quelle est la lumière? Non, la version. Là-haut. Ouais, là non plus. Bon, on va vite aller en bas. Dans le canapé, il y a... Moi, il n'y a rien. Dans la cuisine non plus, mais en fait, je trouve pas de cas. Ah, peut-être sous la table, Daniel. Non. Dehors, on avait dit que non, on n'avait pas le droit de se cacher. Dans la poubelle. Ouais, non. Ah, il n'y a pas de cachette. Bah, je vais regarder directement en bas. J'ai entendu du bruit. J'ai entendu du bruit comme si c'était du papier ou je sais pas. Je sais pas où j'ai entendu. C'est sous la table, j'ai entendu du bruit. J'ai mal regardé. Bah non, il y a rien. Moi je suis... Ah oh mon dieu. Comment t'as grippé? Oh Amélia, mais comment t'as grippé? Oh, papa il m'a aidé. T'as été trouvé avant Daniel, hein, alors t'avais 30 minutes. Hein. Je vous ai dit, je faisais trop la vanille. Je fais trop de bruit et ça me serre le ventre. Je commence à avoir mal au dos, je peux pas rester comme ça aussi. Bah, il y a pas de ciseaux. Non, mais va chercher Daniel d'abord. Papa, il va m'enlever d'ici. J'ai envie de prendre des photos. Des photos. Ouais, bon, maintenant, on va chercher Daniel. Je pense pas qu'il s'est caché à la même étage qu'Amélia. Bon, attends, on va regarder. Tu fais diversion hein, pour pas que je trouve Daniel. Oui, d'abord. Moi je vais regarder dans les poufs parce que Daniel s'est déjà caché dans les poufs avant. J'ai entendu rigoler. Mais là-bas. Attendez, je regarde quand même partout. J'ai entendu rigoler là en fait. Ça va? Ouais. Ça fait qu'une minute t'es cachée, c'est bon. Hein? Pourquoi tu t'es pas caché dedans? Comment on ouvre? Ah mais j'avoue, je l'avais même pas vu. Je suis trop forte, j'ai trouvé les deux. Voilà, donc dans ce round, c'est moi qui a gagné. Ouais. Deuxième round, vu que j'ai trouvé Amélia en première, c'est elle qui va faire la chercheuse dans ce deuxième round. Là, c'est plus Daniel et Lina qui vont se cacher en personne. Ils vont devoir cacher ces deux chaises dans la maison. En 5 minutes. Voilà. Donc, Amélia, tu vas rester ici. Tu prends la chaise. Tu te retournes. Voilà. Ouais, 5 minutes. C'est très vite, hein. T'as ton téléphone pour mettre le chrono. 3, 2, 1, go. Allez, avance. Moi je vais aller cacher tout en bas, au dernier étage. Et allez, pas très simple mon pif, je vais les mettre derrière cet arbre. La chaise elle blanche, pareil que le mur il blanche. C'est trop trop bien. Amel, c'est bon, tu peux venir. Avec tes TikTok. Allez. Bien sûr, je vais chercher en dessous de la table. Hein. Ok, y'a pas. Alors, si vous en avez démonté une et vous l'avez mise dans un tiroir. Regardez le tiroir. Non.
Là. Ouais! Oh, je suis trop forte! Tada! Ils l'ont pas démonté! Elina, j'ai trouvé ta chaise! Alors, j'ai trouvé la chaise d'Elina, maintenant faut que je trouve celle de Daniel. Alors, ici il n'y a pas, du coup, je pense que c'est en haut. Oh, Daniel, toi tu l'as caché où ta chaise, hein? En haut ou ici? Ah, Elina! Comment j'ai fait pour pas le voir? Bon, ben Elina, c'est encore à toi de chercher. Ok, vous avez, là dans le troisième round, vous avez le droit de vous cacher partout dans la maison, dehors aussi. Et vous avez 5 minutes pour vous cacher, c'est tout. D'accord? Ouais. Bah allez, Sardor. Sardor. Je vais rester dans cette chambre parce que c'est la chambre de nos parents et on rentre pas dedans, ok? Ok. D'abord, je prends une bouteille d'eau. Je te cache. Dans la voiture. Ça sert trop bien. Faut les clés. 5 minutes c'est passé, maintenant je vais les chercher. Je pense qu'ils se sont cachés dehors, hein. Il n'y a plus de cachette à l'intérieur. Non. Ici je peux. Non, c'est fermé. Je vais aller tout en bas où il y a la piscine. Se cacher où? Pas dans l'eau. Ah! Daniel, je vois de nord. Voilà, non, on n'a pas trouvé encore Amélia. Ça fait peur. Ah non, on peut descendre, il y a des escaliers. Non. Je dois aller bousser. Hein? Je dois les pousser. Je dirais que je dois regarder comment ça. Chercher dehors, bah devant la maison, il y a la porte. Et peut-être où? On peut se cacher ici. Je vais aller où? Et c'est mieux caché que en 30 minutes. Elle est dans la voiture. Mon père, il laisse jamais ouvert la voiture, donc ça veut dire qu'elle est dedans. Ah merde, bah, c'est fermé. Non, elle est pas dedans. Bon, regardez, la porte elle est ouverte, mais c'est qui? Amélia, réfléchis. T'es là, je te vois. Hein. Je te vois. N'importe hein. Quoi. C'est bon. Tu as fermé la porte. Tu sais que t'aurais jamais fermé la voiture, j'aurais jamais su que t'étais dans la voiture. Mais parce que j'aurais même pas pensé à rentrer dans la voiture. Hein? J'ai oublié de la fermer. J'aurais même pas pensé à regarder dans la voiture. Ah mais là si t'aurais pas fermé la voiture devant mes yeux, j'aurais jamais su que... Ben j'aurais même pas eu l'idée de chercher dans la voiture. Je me suis dit mais qui va se trop temps, j'en pouvais plus, j'allais mourir dedans vite. Ouais ben... Mourir de chaleur. Premier round je t'ai trouvé en première, après Daniel. Deuxième round t'as trouvé qui en premier? Ma chaise, et après Daniel. Et troisième round j'ai trouvé Daniel en premier, toi en dernière. Mais c'est quand même Daniel qui a gagné dans ce challenge. Il a préféré rester dans la piscine que vous dire au revoir, vous avez vu? C'est cruel! Il est méchant, je rigole. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé ce cache-cache. C'est bientôt la rentrée, donc on vous souhaite bonne rentrée à tous. Et voilà, on fait des gros bisous, ciao ciao.